Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse, une analyse de séquence, comme je vous l'avais promis, sur la marche des éléphants roses, cette séquence complètement bizarre qui arrive après que Dumbo ait bu un peu d'alcool, il voit des choses complètement psychédéliques. C'est une séquence hallucinée que Disney nous propose, une des premières, et je me suis dit que ce serait intéressant de l'analyser, de voir ce qu'elle a un peu dans le ventre, de voir un peu ses possibles références, comment elle est structurée, qu'est-ce qu'elle veut dire au final, est-ce que j'aurai la réponse ou non? Ah bah ça, je vous invite à aller voir cette analyse qui se trouve bien sûr sur un autre site parce qu'il y a plein de droits et parce qu'il y a plein de choses dans cet extrait, je fais des ralentis sur images et tout ça, et YouTube ne me laisserait pas poser comme ça cette analyse gratuitement comme ça sur YouTube alors que les films ont des propriétaires, donc c'est une analyse que vous avez sur un autre site dont le lien est présent dans la description de la vidéo, donc je vous invite à cliquer dessus. La vidéo fait 25 minutes, donc je vous invite à aller la voir et à poster bien sûr des commentaires sous cette vidéo-ci ou sous l'autre, ça dépend. Voilà. Je vous invite aussi à poser des questions pour une prochaine FAQ que je prépare. Je voudrais qu'elle soit encore plus impressionnante, plus longue encore que la précédente qui m'avait déjà donné du fil à retordre, 6 heures d'enregistrement, seriez-vous capable de battre le record? Ben ça dépend de vous, ça dépend pas de moi. Donc oui, posez vos questions pour une prochaine FAQ dont la sortie, on va dire du premier épisode, pourrait être fin de l'année, début de l'année prochaine, parce que je fais beaucoup de travail de son pour enlever beaucoup d'hésitations de ma part, des choses qui amènent nulle part et tout ça, donc ça me prend beaucoup de temps, mais à la fin vous avez une track sonore qui est assez agréable, donc n'hésitez pas à poster vos questions sous la vidéo ou sous n'importe quelle autre vidéo, de toute façon je vois tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum, mais vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est formidable, et donc voilà, moi il faut que je reste dans le flux, c'est ça le truc, il faut que je reste dans le flux et que justement je ne me coupe pas des masses qui vont au fur et à mesure s'accumuler, des gens qui sont intéressés, donc c'est aussi pour ça que je propose une FAQ, c'est pour garder le contact, et vous avez peut-être des questions, des trucs que vous posez des interrogations, donc je serai là aussi pour répondre et il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser sur n'importe quoi, des avis sur des films ou je sais trop quoi, voilà, n'hésitez pas. Et quant à moi, eh bien, je vais continuer sur ma lancée pour l'épopée Disney rétrospective. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !